J'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Moi, j'ai bien. On se retrouve dans une vidéo. Là, je les enchaîne, les vidéos, hein. Pour vous parler de mes dessins. J'ai l'impression d'être narcissique. Je veux pas être narcissique. Donc, pour vous parler de ce que j'ai fait. Alors, avec l'aquarelle, avec les feutres, avec que du crayon à papier, avec que du stylo. On ne sait pas. Donc, encore une fois, c'est une vidéo à l'arrache que je ne vais pas couper. Parce que j'en ai rien à faire. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec un cadeau que j'ai fait à mon frère. Donc en fait, je sais pas si vous connaissez Johanna. C'est une fille qui fait du dessin sur YouTube. Elle est grave grave forte. Et je me suis inspirée de son dessin de Bart Simpson pour faire Bart Simpson et toute sa famille. Donc on a Bart. Après, je crois que j'ai fait Homer. Je vais vous les montrer dans l'ordre où je l'ai fait. Il est. On dirait qu'il a un problème avec ses yeux. Faut que je le refasse. Après, j'ai fait Lisa. Je l'adore. Je la trouve trop belle. Après, j'ai fait Maggie. Et après, j'ai fait Marge. Donc, Maggie est la seule qui a été fait dans un papier différent. Donc en fait, eux, ils ont été faits dans cette couleur-là, là. Et Maggie. En fait, Maggie et Marge ont été faits dans un papier différent, mais Marge, ça ne se voit pas. Parce qu'en fait, pour vous dire, les couleurs, elles étaient comme ça. Donc là, il y avait le rouge et là, il y avait le violet. Donc on a l'impression que bah, il y a juste Maggie qui est. Elle va exploser. Donc bah, voilà pour la famille Simpson. Donc après j'ai fait d'autres petits dessins mais il y a beaucoup où je me suis inspirée. Donc déjà ben là je me suis pas du tout inspirée, j'ai fait un avocat. J'ai de la peinture. Donc j'ai fait un avocat tout simple. Donc après j'ai essayé de faire un Bart Simpson. Comme on peut le voir, il a des problèmes avec ses yeux. C'est pas ce que j'ai avec les yeux. J'avais fait un mandala qui n'est pas beau. Je peux vous le confirmer. J'ai fait une carte comme ça. Je peux pas vous montrer le dos. Mais elle est très jolie. Après, j'ai eu mon aquarelle et je savais vraiment pas quoi en faire. Donc, avec des crayons, en fait, ils donnaient des petits trucs comme ça. Donc, mon tout premier, c'était celui-là. Il y a mieux, on est d'accord. Mon deuxième était celui-ci. Mon troisième, celui-là. Bon, ouais, vous avez compris quoi. Et eux, je sais pas lequel j'ai fait en premier. Après, j'ai fait une carte comme ceci. Un as rouge. Bart Simpson, que j'ai réussi. Un petit cœur comme ça avec un effet. Dites-le-moi si vous voulez une vidéo aquarelle avec des effets, parce que j'en ai fait plein. Et ça me ferait plaisir de vous les montrer. Tous mes autres dessins, après, je les ai mis dans un petit truc comme ceci. Donc, c'est parti. Alors, bon, là, ce sont les avocats, on s'en fout. Enfin, donc d'abord, j'ai fait un truc comme ça. Je sais pas pourquoi. J'ai pris ma palette. Elle est ça. Et en fait, genre, je mettais mon pinceau et je claquais comme ça et ça faisait des gouttes. J'ai aimé. Après, j'ai fait un loup. Mais il n'est pas très bien réussi. Je suis un peu déçue. Alors, il y en a un beau et un moyen. Enfin, alors, ça, c'est juste les trois couleurs primaires. Je l'ai trouvé joli. Je le trouve simple et joli. Après, j'ai fait un dessin avec des bouges, avec marqué Kiss Me, mais il n'est pas beau. J'ai fait des poivrons, enfin poivrons, piment, je sais pas. Un avocat, enfin plusieurs avocats, il y en a 8. Désolée si je fais un peu vite, je sais pas vraiment comment m'y prendre. Et désolée si je touche le micro aussi. Un effet d'optique. Et sauf que celui-là, il m'a traumatisée. J'étais tellement heureuse de le faire et je suis arrivée ici en fait. Je devais colorier là. Je devais colorier. Et
j'ai pris mon stylo, mon pinceau, et mon pinceau, il a fait... Et c'est pour ça qu'il y a une grosse tache, là. Enfin, une grosse goutte. Parce que là, je savais plus quoi faire. Donc, après, il y a celui-ci. Ben, j'étais en train de filmer, ma caméra, elle a eu un problème. Je dois reprendre là où j'en étais. Donc, après, je crois qu'on en était à l'oignon. Enfin, à l'ail, là. L'ail. À l'ail, là. Voilà. Et un loup. Enfin, j'ai fait un loup en crayon à papier. Vous pouvez le retrouver sur Google. Je me suis de ouf inspirée. En fait, genre, vous faites un... Genre, vous trouvez le loup. Et le loup, en fait, il n'y a que cette partie-là. Il n'y a que cette partie-là. Donc moi, j'ai fait tout le reste du corps. Et franchement, les gars, je le trouve pas mal fait. Là, j'ai fait un cœur. Il est sur Google aussi. Donc, voilà, il est sur Google. J'ai fait un œil. J'ai utilisé la méthode de tuto draw. Il montre comment le faire. Et j'ai fait des petits signes à côté. J'ai fait le signe de la pomme. Et j'ai marqué Lifebook Air pour MacBook Air. Je trouvais ça drôle. J'ai fait une jeune fille. Je la trouve pas super jolie. J'ai fait des fleurs et j'ai marqué Flowers. Quand j'ai fait le dessin, j'ai pensé à une amie à moi. Là. Donc ça c'est rien. Oui, j'ai des croquis aussi qui sont pas super jolis. Des fois aussi j'essaye de refaire des dessins sur Instagram que je vois, que je refais. Dont le dessin que je vais vous montrer tout de suite. Dont celui-ci. C'est un dessin que j'ai vu. En fait, il suffit juste de faire un triangle. Et de repasser sur les traits. Enfin, de. Je vous montrerai le tuto si vous voulez. Donc, voilà pour la première partie. Dans la vidéo d'avant, je vous ai un peu spoilé. Mais bon, j'ai fait des mini tableaux. En fait, ça s'appelle pas des tableaux. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Faudrait que je retrouve le nom. Donc, j'ai fait déjà deux avocats. C'est pas une. Enfin, c'est pas genre un avocat coupé en deux. C'est bien deux avocats différents. Je précise, d'accord. Voilà. J'ai fait une main. Enfin, c'est une squelette. Et j'ai essayé de faire une plage, en fait. C'est un dessin que j'ai trouvé sur Google, mais genre, lui, il était en noir et blanc. En fait, c'est une île avec un palmier et une planche de surf. Enfin, en fait, je l'avais fait pour ma soeur. Mais je le trouve pas super joli. J'aimerais bien l'améliorer. Je n'ai fait que 3 toiles parce que j'en ai acheté que 3. Il faut que j'en rachète. La pire explication. Donc, je vous avais dit que j'avais un carnet comme ça, enfin de croquis. Qui est d'ailleurs défoncé au passage. Donc voilà. Un paquet de cigarettes Lucky Strike. Fumez bouge vos artères avec le numéro du service. C'était mon premier dessin réussi. En fait, genre, je me souviens, j'étais... Petite anecdote. J'étais chez mon oncle. Et j'ai vu le paquet de cigarettes de ma maman, ne fumez pas, et je l'ai dessiné. Je vous ai dit aussi que j'avais un truc comme ça, un carnet, enfin, des feuilles A5, donc des grandes feuilles. Bon, ça c'est pas une feuille A5, ok, mais je vais quand même vous la montrer. C'était en art plastique, en fait, il fallait combiner 3 signes, des signes astrologiques. Donc moi j'ai pris... Enfin, je sais pas ce que c'est. Ça non plus, je sais pas ce que c'est. Et ça, je sais que c'est le coq. Donc en fait, vous voyez, j'ai pris la queue du coq que j'ai coupée. Donc là, normalement, il devrait y avoir son corps. En fait, ça fait des ailes. Là, c'est une fille. Et les autres trucs, je les ai reliés et ça fait de l'eau. Voilà. Donc, après, j'ai un croquis. Le croquis... de ce que vous avez vu en fait avant. Ça c'était un dessin mais que j'ai fait en 6ème parce que je m'ennuyais en cours de musique. Dessiner en cours de musique en vrai, elle m'a jamais pris mon carnet. C'est encore une fois un dessin que je me suis inspirée de Johanna. J'adore vraiment ce qu'elle fait. Voilà,
sur des montagnes et il y a marqué Little Things Matter a Lot. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais je ne connais pas la traduction exacte. J'ai refait une main avec le nom des os, mais ça c'est pour moi. Laissez tomber. On dirait que je suis vraiment une psychopathe. Je commence à manquer d'espace. Enfin, je les ai tous sortis. Hein. Donc j'ai ceci que j'ai trouvé sur Instagram et que j'ai essayé de reproduire. Donc je l'ai mis sur mon téléphone, j'ai posé mon téléphone à côté de moi et j'ai essayé de le refaire. J'ai pas fait exactement la même chose, c'est-à-dire que ça c'est pas la même chose que sur le dessin et moi j'ai rajouté les croix et j'ai pas fait tout le pointiste parce que c'est long. Ouais, je suis une feignante. Mais en fait j'avais juste envie d'être feignante sur ce dessin. Après j'ai essayé de dessiner Marshmallow, je sais pas si vous connaissez. J'ai bugué. Donc c'est Marshmallow avec une ligne de vie et les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Après j'ai trouvé une... Cherchez dessin croc top sur Google et vous allez tomber sur une fille en noir et blanc qui est comme ça. Et moi genre je me suis fixée sur son ventre. Oui bon, c'est mon premier dessin croc top et j'ai fait une autre dame que je ne connais pas, que j'ai vue dans un dessin, que je l'ai refait. Merci Johanna. Donc ce sont exactement les mêmes montagnes qu'elle a faites. J'ai rajouté un fond et puis j'avais envie de rajouter Dream. Et ça m'a inspiré pour le dessin suivant. C'est pour ça aussi qu'on a du calque. En fait, vous faites un dessin et vous le refaites plusieurs fois. Le calque, c'est pas qu'on copie sur les autres, hein, détendez-vous. Il y a marqué Wild and Free. Ah, oh, je vous ai pas dit ce qu'il y avait marqué sur les autres. Bon, mais tant pis. Donc là, il y a marqué cérébral avec une main qui est en train de se déchiqueter. Donc le pouce, on voit l'os. Lui, bah, ça va encore. Lui, c'est comme si on l'arrachait. Lui, il y a des trous. Et lui, ça va. C'est un peu un truc zombie, en gros. Voilà. J'ai fait une plume. On dirait genre, j'ai fait une plume. Non, donc en fait, j'ai fait une plume et j'ai marqué des petites significations. J'ai marqué en fait ici no rain, no rainbow. Et ça veut dire pas de pluie, pas d'arc-en-ciel. Alors c'est ce que j'ai remarqué à côté parce que voilà. C'est une enfant. Il est pas du tout réaliste, j'en ai bien conscience. Je sais faire les yeux mieux que ça. Je sais pas en fait, genre je voulais donner un côté un peu chibi. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai des frissons. Voilà. Après, je sais que j'ai dessiné des trucs un peu plus bizarres. Enfin, vous n'allez pas réellement comprendre. Ok. C'est genre, vous voyez les carrés infinissables. Enfin, il y a le carré infinissable, le rond et le triangle. Moi, j'ai fait que le triangle et l'ovale. Oui, il y a l'ovale aussi. Et je sais pas, genre, mais vous voyez, dans le temps, les Simpsons, ils étaient pas comme ça. Ils étaient faits plus grossiers. Et je les ai refaits grossiers, en fait. Passion Simpson. Les Landes, Passion Simpson. Et aussi, j'ai fait ceci. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. J'ai fait une fille comme ça, là. Ah, voilà. Quand je vous montre tout ça là, ce que j'ai fait, je me dis en fait c'est pas beaucoup ce que j'ai fait. Voilà. Donc, moi j'utilise là pour les dessins que je vous ai montrés, j'ai utilisé beaucoup de peinture. Beaucoup. Ça va faire moins d'une semaine que je l'ai. Et je n'ai plus de rouge, plus de bleu. Le vert va commencer à se manquer un tout petit peu. Voilà.
Donc voilà, c'est fini pour les dessins. Oui, je suis un enfant, ok, alors ne me jugez pas. C'est fini pour mes dessins. Je vous fais de gros bisous. Des bisous.